Des responsables palestiniens ont prévenu, si les États-Unis opposent leur veto aux efforts pour faire reconnaître un État palestinien, cela va détruire toutes les chances de parvenir à une solution à deux États avec Israël. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré ce week-end qu'à la suite de son discours vendredi prochain au siège des Nations Unies, il entend saisir le Conseil de sécurité pour soumettre une demande de statut de membre à part entière. Les Palestiniens réclament une souveraineté étatique sur la base des frontières de 1967 qui leur permettra de retourner à la table des négociations avec Israël comme entité reconnue, a-t-il aussi déclaré. Car cette demande d'État, avec Jérusalem comme capitale, n'est qu'une partie de la stratégie palestinienne, selon ses termes. Mahmoud Abbas a appelé les Palestiniens à descendre dans la rue mercredi, mais il a mis en garde contre le recours à la violence en estimant que des troubles pourraient nuire et saboter les efforts pour obtenir un État.